Mais libre. Quand tu as repéré sa bise au message que tout le monde a dit que tu as mis est-ce qu'il y a normal que parti à Mouné n'existe pas un candidat à la présidentielle? Non. Il y a normal. Tu vois, ça normalité. Je prendrai l'exemple du patriarche Étienne Tshisekedi, par exemple. Il avait plusieurs possibilités de faire autre travail. Mais la politique, c'était lui, en fait. C'était lui. Dès son jeune âge, la prison et tout, c'était lui. Jusqu'à mourir politique. Vendeur des habits, il devient honorable. Il devient vendeur d'habits. Oh, t'es à tel ou tel autre. Et puis après, il devient honorable. Et puis d'un moment à l'autre, il redevient quelqu'un d'autre. Et derrière, il part. C'est le peuple qui est derrière UPAD, Union des Patriotes pour le Développement. C'est le peuple. C'est le président de la République dira je suis candidat pour la troisième fois. C'est alors que nous passerons sur vos plateaux, nous passerons sur vos chaînes pour vous expliquer c'est quoi la constitution. Mais là, tant qu'il ne l'a pas encore dit, je ne peux pas porter. Si la majorité va préférer voter. Déjà. Bienvenue encore une fois dans notre émission Nouveau Tempo. Nouveau Tempo, Nouvelle Tendance, où on reçoit tout le monde, les politiciens, les musiciens, les écrivains, les sexologues, tout le monde sont les bienvenus. Alors, à ce moment et à cet instant, nous allons recevoir pour vous, monsieur, il s'appelle que monsieur Jacques Distingué Komba. Ah, ça vous dit quelque chose? Jacques Komba, la haute intelligence de la Jacques Komba, la haute intelligence de la diaspora. Monsieur Jacques Distingué Komba, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? En pleine forme. Ça se voit. Alors, monsieur Jacques Komba, comme je venais de dire tout à l'heure là, nous allons vous recevoir. Et en tout cas, moi, je sais presque qui vous êtes. Pour ceux qui nous découvrent tout à l'heure maintenant, comme M. Tino Kanza, lui, il ne sait pas qui vous êtes. Alors, bref, en une minute, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous exactement? Comme vous avez commencé, je suis M. Jacques Distingué Komba. Je suis natif de la République démocratique du Congo et des nationalités congolaises, Congo démocratique. Je suis un analyste politique et un opérateur économique en même temps. Donc, en un mot, c'est ce que je peux dire. Je suis un analyste politique, un patriote, un opérateur économique dans mon pays, en République démocratique du Congo, madame. On a suivi. Et vous avez compris qui il est exactement. Alors maintenant là, nous vous recevons en qualité de qui? Telle que votre annonce a été bien faite, je pense que nul n'ignore la situation de notre pays. Et je suis invité par vous comme un analyste politique afin de parler de la problématique de mon pays et parler aussi de mon pays. En fait, je suis là comme un analyste politique pour analyser le problème de mon pays. D'après nos recherches, on a suivi par-ci, par-là, on a fait des recherches, on a vu que vous êtes plus politique ou apolitique, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plus analyste, politicien ou politologue? Situez-vous un peu. Non, je ne suis pas politologue. Ça veut dire que je ne suis pas allé apprendre la politique à l'école ou à l'université. Oui. Moi, je suis un analyste politique. Oui. J'ai dit analyste politique parce que je fais des analyses sur le fait politique de mon pays. Mais au moins, il faut dire que je suis politique. Là, je comprendrai. Parce que c'est une vocation, c'est dans les sangs. Ce n'est pas une formation que j'ai acquise quelque part. Demain, après-demain, je peux changer de formation. Non, c'est hormonal pour moi, la politique. Alors, que signifie UPAD? Ah, on y est déjà. UPAD, c'est l'Union des Patriotes pour le Développement.
pour essayer de développer UPAD. C'est une initiative que j'ai mise en place. C'est une plateforme que j'ai mise en place pour former et travailler sur le veille patriotique de Congolais. Parce que c'est un besoin qui s'essent de plus en plus, et dans nos dirigeants et dans la jeunesse montante, que nous avons besoin des patriotes. Voilà pourquoi nous avons fait UPAD, Union des Patriotes pour le Développement. Il y a d'abord l'unité, il y a cette formation dans le patriotisme, et ça nous amène dans le développement pour la République démocratique du Congo. Donc c'est une plateforme pour la réflexion et pour la formation de futurs cadres, des futurs patriotes pour les pays. D'accord. Là, on voit directement que vous venez de la diaspora, plus précisément à Paris. Quelle est votre relation entre les combattants qu'on connaît? En fait, ça reste les combattants, une relation avec les combattants. Waouh, c'est des frères, c'est des patriotes, c'est des frères congolais. Ceux que je connaissais avant, on s'appelle, on s'est dit bonjour. Ceux que je ne connaissais pas, je n'ai pas défini une relation avec quelqu'un que je ne connaissais pas, non, que je ne connais pas non plus. Donc, celui que je connais, je le vois, on s'est dit bonjour. Si il ne me dit pas bonjour, il ne me dit pas bonjour. Mais sinon... Est-ce que vous êtes de la PPRD? Vous avez été victime. Je ne vois pas en quoi l'appartenance dans un parti politique ou d'un mouvement politique peut casser leurs relations. Soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Soit on a un grand esprit, soit on ne l'est pas. Soit on a accepté la lutte que le grand, à l'exemple de notre fait Étienne Tshisekedi, a eu à faire pour pouvoir parler de multipartisme, pour accepter plusieurs partis. Soit on n'accepte pas cette lutte. Si on acclame pour Tshisekedi, acceptons la lutte qui a pris toute sa jeunesse pour pouvoir mettre le multipartisme en place. Donc je suis des UDU, je suis des CCU, je suis du PPRD, je suis de l'Imper. On accepte tout le monde. D'accord. Voilà. Je pense que le message a été bien passé et que au cours de notre intervention, on va un peu savoir qui est exactement ce monsieur Jacques Comba qui dérange tant comme ça. Alors, monsieur Jacques Comba, distinguer. Pourquoi cette précision des distinctions? Vous distinguez en quoi? Ça fait partie de moi et de ma vie. C'est-à-dire, du haut de ces plateaux, pour les quelques minutes qui me sont données, je ne peux pas peindre toute ma vie. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que je suis distingué de ma famille, je suis distingué de ma génération. Et je suis distingué de tout. Et ce n'est pas un nom qu'on a pris au hasard. C'est un nom, derrière ces noms, il y a une histoire de ma vie. Il y a une histoire collée. C'est toute une vie. Et la preuve, je suis distingué, même sur votre plateau. D'accord. Alors, parlez-nous, disons bref, de votre parcours politique. Étant jeune, pourquoi avoir pris ces risques de devenir politicien? Ou disons, pas politicien, mais... politique, comme vous l'avez dit. Parcours politique de M. Jacques Distingué Comba, oui. Je ne peux pas ce jour parler de la politique parce que je suis une phrase inachevée qui va avoir son sens qu'à la fin. Oui. Et j'ai encore le parcours devant moi. Mais le peu que j'ai eu à faire, il faut dire que j'ai été dans la grande famille de la majorité présidentielle. J'ai mis en place plusieurs organisations de jeunes à Paris, plusieurs formations, entre autres Action Notre Congo, qui a fait beaucoup de travail dans le milieu de congolais pour le patriotisme en Europe, surtout dans le pays de l'Europe. Et je parle un peu de France, Belgique, Allemagne et tout. Le pays un peu proche, quoi. Donc j'ai été coordonnateur et fondateur de ces mouvements. Donc je suis encore coordinateur, au lieu de dire, de parler dans les passés. Et j'étais chargé de la communication de la majorité présidentielle. À un moment donné, il y a 3-4 ans passés, à un moment donné ici en France. Et nous avons été chargés de la mobilisation, propagande et communication du parti au pouvoir actuellement. Nous avons fait beaucoup de choses. Et là maintenant, nous sommes fondateurs et coordonnateurs de UPAD, Union des Patriotes pour le Développement. Donc nous avons fait beaucoup de choses. En dehors de ça, on a été plusieurs fois conseillers dans les cabinets de plusieurs ministres. Déjà avant même ces régimes, nous avons eu à travailler. On a eu quand même à travailler pour notre pays. Voilà. Voilà, vous venez de suivre là le parcours politique, si on peut le dire, de notre cher combattant.
Bon, notre cher monsieur Komba Jacques Dissengué. Monsieur Komba Jacques, selon vous, comment voyez-vous les élections en RDC? Aura lieu ou aura pas lieu? Les souhaits de monsieur Jacques Dissengué Komba et les soucis de tous les membres de UPAD, c'est que nous ayons les élections dans ces pays. Mais cette question qui m'est posée, si les élections auront bien lieu ou pas, je pense que je n'ai pas la casquette ou ce n'est pas ma compétence de les dire. C'est à la CENI de nous dire, parce qu'il y a un organisme compétent choisi pour ça. Et nous attendons, nous avons appris, nous étions nous-mêmes sur place, les enrôlements qui se font, certes d'une manière un peu négligée, pas vraiment régulière telle que nous le voulons, mais il y a quand même les enrôlements qui se font. Et nous voulons que M. Enanga continue et qu'il accélère afin que le peuple congolais aille aux urnes. C'est ce que nous avons besoin. M. Jacques Dissengué Komba, qui est devant vous aujourd'hui, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui veut de l'alternance, c'est quelqu'un qui veut le respect des valeurs de la République et de la Constitution de la République. Donc je veux les élections. Vous voulez, mais ce n'est pas le cas pour... il faut y chercher à masquer, à mettre de moins en moins du temps pour aller s'enrôler, pour retarder et passer au référendum et à la fin des comptes pour ne pas avoir, pour ne plus avoir les élections. Madame, j'aimerais vous dire déjà ici du haut de ces plateaux que les Congolais d'hier, ce n'est pas les Congolais d'aujourd'hui. Vous devez le comprendre. Ça dit, tout celui qui cherchera à masquer, nous allons les démasquer. Nous sommes déterminés. Le peuple congolais est déterminé. Le peuple congolais a soif. Le peuple congolais a besoin d'aller aux élections. Le peuple congolais a besoin de sanctionner certaines personnes qui ne sont pas patriotes, qui n'ont pas travaillé pour la République. Donc, je n'ai pas peur de me dire qu'on est en train de manigancer, de faire ça. Déjà, c'est des liaisons dites. Tout ce que je sais, c'est que mon pays se prépare pour les échéanciers des élections d'ici là. Tout celui qui va chercher à manigancer pour que ces l'élection n'a eu pas lieu, il sera sanctionné. Le ciel et la terre le sanctionnera. D'accord. Alors, pensez-vous que le président actuel va refaire sa candidature ou bien c'est exclu pour lui? Je pense que notre cher président, son Excellence Monsieur Joseph Kabila, c'est un intellectuel et c'est quelqu'un qui connaît bien la Constitution. Et cette Constitution a été élaborée au moment où il était là. Quand on a dit que c'est deux mandats, il le savait avant même qu'on puisse publier la Constitution. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on va s'éterniser sur la discussion de sa troisième magistrature. Non, je ne pense pas. Il le sait qu'il a eu deux mandats et c'est bon. Et c'est fini, il ne peut plus se représenter. Il ne l'a jamais dit, je ne l'ai jamais entendu. Je ne veux pas aller sur les soupçons, je ne veux pas aller sur des liaisons-dits. Je vais attendre. Je vais attendre le jour où le président de la République dira « je suis candidat pour la troisième fois ». C'est alors que nous passerons sur vos plateaux, nous passerons sur vos chaînes pour vous expliquer c'est quoi la Constitution. Mais là, tant qu'il ne l'a pas encore dit, je ne peux pas porter des préjugés sur lui. Et je ne vais pas partir. Et partir, je pense que ce n'est pas question de partir. Il va partir où? Disons démissionner ou quitter. Question de démissionner. Dès qu'on passe aux élections, il ne sera pas candidat. On aura un autre président. Ce n'est pas question de partir. Au Congo, on est habitué à la dictature. S'il s'impose par des armes et dit « je reste », Aucune arme ne sera acceptée dans ma patrie. Aucune arme. Nous avons assez pleuré, il y a eu beaucoup de sang qui a été versé, alors nous en avons marre. Aucun Congolais, je vous ai dit madame tantôt, que les Congolais d'hier, ce n'est pas les Congolais d'aujourd'hui. Aucun Congolais ne veut encore que son frère meure. Non, on ne veut pas de ça. Cette fois-ci, je vous dis, si quelqu'un tente à nous ramener les armes, ça sera sa famille qui va mourir. Personne ne mourra. Nous, ils seront en train de tirer sur le peuple, mais nous dirigerons vers sa famille, vers ses parents, vers ses membres de famille, pour pouvoir aussi les tuer. Nous en avons marre. Vous n'avez pas marre de voir les sangs au Congo, Béni, Kassai et tout ça. Vous n'en avez pas marre, madame, étant congolaise? Nous en avons marre. UPAD en a marre. Le peuple congolais en a marre. Je pense que nous devons aller avec les choses telles que nous les avons précisées. Il y a eu une constitution, il y a eu la CENI qui a été mise en place, et la CENI va nous présenter un calendrier. Il y a eu un recensement. Les enrôlements sont en train de se faire. Ça veut dire, là, nous devons passer aux élections, madame. Personne ne viendra avec les armes pour pouvoir tuer un Congolais. Aucun Congolais ne mourra pour les élections, mais tout Congolais ira voter. D'accord. Merci. Alors, parlons un peu de l'accord du Saint-Sylvestre. C'est quoi votre commentaire? En fait, excusez-moi d'être direct.
Je ne suis pas partisan des accords bidons. Bidons ? Je ne suis pas partisan des accords bidons. Des accords qui sont faits taillés sur mesure pour les ventriotes. Non, non. Je pense que ce n'était pas le moment de parler des accords. Nous avons une constitution. Tout, tout ce qui se passe maintenant, c'est... Madame, oui. Ma république, ma patrie, oui. Ma République démocratique du Congo, que j'aime, seul héritage et seule richesse que Dieu m'a légué, sans discussion, sans quémander, c'est mon pays. Alors cette République-là a souffert longtemps. Et cette République, à un moment donné, a sorti sa tête dans l'eau. Et cette République a y adressé une constitution. Je pense que c'est la constitution qui doit parler. Si on doit aller dans les accords, c'est qu'il y a des gens qui ont envie, qui veulent autre chose. Et ces accords, dites-moi de vous à moi, ces accords bénéficient en quoi au peuple congolais? Qu'est-ce que le Congolais a gagné? La SNEL a commencé à donner du courant comme il faut. La régie des eaux commence à donner de l'eau comme il faut. Les sociales, le quotidien des Congolais a changé par rapport aux accords de Saint-Sylvestre. Lisez les accords de Saint-Sylvestre. Je les ai encore, je peux les lire pour vous. Lisez les accords de Saint-Sylvestre. Où est-ce qu'on a souligné la ligne où on parle du peuple congolais? Où est-ce qu'on a souligné du misérable, du misère, de la souffrance du peuple congolais? Nulle part, madame. On parle du Premier ministre, on parle des élections, on parle de leur poste, on parle de leur ventre. On ne parle pas du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui doit diriger le pays, parce que c'est le peuple congolais. C'est du nouveau. Hein. C'est le peuple congolais qui choisit. Mais après, ils oublient que nous étions là, on a voté pour eux. Madame, voilà pourquoi je ne veux pas toucher ces points. Voilà pourquoi j'ai dit même que c'était les accords bidons, parce que ça ne bénéficie à aucun Congolais qui souffre. Les courants n'ont pas changé, la régie des eaux n'a pas changé, les transports n'ont pas changé, la sécurité n'a pas changé, rien n'a changé dans ces accords-là. C'est des accords, je disais, taillés sur mesure. Pour les ventriotes, pas pour les patriotes, pour les ventriotes. J'aimerais qu'on parle de la Constitution peut-être. J'aimerais qu'on parle de choses qui touchent directement à la population, qui touchent directement à mon peuple, et non des choses qui touchent aux individus pour leurs intérêts. Ça, moi, je ne suis pas partisan, madame. Monsieur Jacques Distingué Koumba n'est pas partisan, madame. D'accord, je pense que vous, nous qui suivez là, si vous avez des questions ou des idées, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous écrire. On aura des temps à les recevoir encore si vous voulez. Ou si vous voulez participer aussi dans notre débat, soyez les bienvenus, nous sommes là pour vous. Alors, monsieur Jacques Distingué Koumba. Oui, français, on n'en a pas besoin. Tout ça, vous parlez seulement pour chercher une place. Oui, après avoir cherché, l'Europe ne paye plus. Comme avant, on a la politique. Ok, Kara, il suffit au fingi telle personne, nommé au commis député, après au commis perpétuit, après, voilà. Madame, je sors d'une école noble de la France. Mm-hmm. Et j'ai un CV costaud. Et je suis bien payé quand je travaille en France. La sécurité sociale est bien réunie pour moi. Donc, si j'accepte de tout abandonner pour aller en République démocratique du Congo, ce n'est pas pour aller chercher un poste. Je ne suis pas un ventriote. Oui, c'est toujours comme ça. Je ne suis pas un ventriote. Bon, je ne sais pas, pour moi, il ne faut pas parler du début parce que je ne suis pas au début de ma mission. On a vu les cas de certaines diasporas. Mon début date il y a 10 ans, mon début, dans ce que vous dites, il y a 10 ans. Je n'ai jamais occupé une seule fonction, un seul poste politique. Non. Et j'aimerais vous dire, dans la politique, il n'y a pas de millionnaires dans la politique. Il n'y a pas de riches dans la politique. C'est des pauvres. Vous allez prendre le boulevard du 30 juin en commençant par le rond-point Saussimont jusqu'à la gare centrale. Vous ne trouverez pas un immeuble d'un politicien, même pas un ancien. La preuve, Mobutu lui-même n'a aucune villa à Kinshasa. Aucun de ses enfants n'a une villa à Kinshasa. Il n'y a pas un millionnaire en politique. Vous êtes là qui a recensé, qui sont riches, qui ne sont pas riches. Je ne vais pas dans la politique pour être riche. Si je veux être riche, je fais le commerce. Si moi, Jacques Distingué Koumba, je veux être riche, je fais le commerce. Je crée des entreprises, je fais le commerce. Vous allez dire que M. Donald Trump va devenir riche en devenant président des États-Unis? Non, il était déjà milliardaire. Donc, par contre, c'est la politique qui est en train de les ruiner maintenant, avec plein de problèmes. Voilà. Donc, ce sont des ventriotes qui vont faire la politique pour s'enrichir. Ça ne sera pas le cas pour vous. Je ne vous dis pas que je me suis engagé pour devenir un ministre un jour. Je me suis engagé pour travailler sur l'éveil patriotique de mon pays. Je vais me trouver un jour dans une république où tout le monde aime son pays. Tout le monde aime sa patrie.
Pensez-vous que la seule goutte que vous apportez, ça peut changer quelque chose? Parce que vous pensez qu'il n'y a pas eu d'autres mouvements tels que vous le dites, sous autre nom? Ça dépend des objectifs définis par chaque mouvement. Au jour d'aujourd'hui, vous et moi, madame, nous parlons du Patrice Emery Lumumba que nous n'avons jamais vu. Il est parti, mais la lutte continue. Et ce que je suis en train de faire, je peux mourir demain ou après-demain. Je ne gère pas mes jours sur la terre. C'est le bon Dieu qui les gère. Mais tout ce que je suis en train de dire à votre micro, ça dit, ça restera dans les têtes de Congolais. Pour dire, le plus important aux Congolais, c'est d'être patriote, d'aimer son pays d'abord. Si vous aimez votre patrie, vous pouvez travailler pour le développement de cette patrie. Mais si vous n'aimez pas votre patrie, vous allez travailler pour la destruction de cette patrie. Voilà. Donc je ne suis pas là pour achever ma mission. Il y a des gens qui vont achever ma mission, madame. Nous, ce qu'on peut dire, les paroles s'envolent, les images restent. Alors, monsieur Komba, nous venons de totaliser, je pense, 47 ans de l'indépendance, non? 57 ans plutôt, de notre indépendance. Êtes-vous indépendant ou la République démocratique du Congo est vraiment indépendante? Je pense que le fait Bombo Kosere vivant, je lui poserai cette question. Parce qu'après que Patrice Emery Lumumba et les autres ont signé l'indépendance politique, la classe des Bomboko, c'est elle qui a signé l'indépendance économique. Tant qu'il y a encore des couacs dans ces domaines-là, je dirais, il y a encore des domaines dans lesquels nous ne sommes pas encore indépendants. Mon pays n'a pas encore eu son indépendance totale. Mon pays, appelé État souverain, n'a pas encore sa souveraineté totale. Parce que le problème, les grands problèmes, les grandes questions de ma patrie sont traitées à l'ensemble de l'Union européenne. Les grandes décisions de mon pays sont prises à l'étranger que dans mon pays. Les dirigeants de mon pays, c'est des dirigeants qui sont décidés, choisis par l'étranger. Et je ne peux pas parler aujourd'hui de 57 ans de l'indépendance. Je pense qu'on est un pays en voie de l'indépendance. Ça va choquer les esprits. On est un pays en voie de l'indépendance sur le plan économique et politique. Parce que jusqu'ici, il y a encore des gens qui nous dirigent. Voilà, il y a encore les gens. Depuis que les Blancs sont partis, dites-moi, vous avez les quotas de la production de l'amiba et de la gécamine, parce qu'ils sont partis, donc on ne peut pas parler d'une indépendance économique tant que rien ne marche dans ces sens-là. Et toute la matière première produite au Congo est transformée ailleurs et on vient vous la vendre sous une autre forme. Donc on n'a pas encore une indépendance dans ces sens-là. Ça va choquer les esprits, ça n'engage que moi. Nous devons encore nous battre pour avoir une indépendance totale. Merci. Alors, les mots d'ordre a été donné par le président de la République que on devait méditer. Méditer. Avez-vous médité le 30 juin? Avez-vous attendu seulement la date du 30 juin pour méditer? C'est le mot d'ordre. UPAD et ses membres méditent chaque jour. Oui. Tant que ça ne va pas en République démocratique du Congo, nous méditons chaque jour. Ce n'était pas un mot d'ordre. Vous étiez où l'État? Quand vous dites un mot d'ordre, ça veut dire si vous n'obéissez pas à ces mots d'ordre, vous serez sanctionné. Avez-vous médité, madame? Oui, je pense. Ok, merci. Okay. Mais il y a eu de ceux qui n'ont pas médité, mais qui n'ont pas été sanctionnés. Donc ce n'est pas un mot d'ordre, c'était une demande du chef de l'État, parce qu'il était dérangé par la santé, il a demandé à ce que ça se passe dans les calmes qu'on médite. Alors, ce que j'aime, c'est que quand on prend le verbe méditer, ça dit réfléchissez encore. Soyez calme, réfléchissez encore. Sur quoi? Sur l'indépendance. La question que vous m'avez posée précédemment. Sur quoi? Sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Sur quoi? Sur la situation politique du Congo. Le chef d'État nous a demandé de méditer. Et c'est cette méditation qui a provoqué cette rencontre et cette émission. Donc le peuple congolais a vraiment médité. Alors, pensez-vous que, juste pour une seule personne, bien qu'il est le chef de l'État, les garants de la nation, donc s'il ne lui paie pas, ça veut dire que tout le monde ne pouvait pas bouger, quoi? C'est la question qu'il faut poser à tout le monde. Moi, je ne m'appelle pas monsieur tout le monde, je m'appelle monsieur Jacques Distinguekoum. C'est pas quand le chef de l'État ne peut pas, tout le monde ne peut pas bouger, non. Il y a eu un message. Déjà, en voyant communiquer, c'est déjà un message, c'est déjà bouger, non?
pour vous, ça signifie quoi? Il n'est plus légitime, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que si je passais aux épreuves des examens d'État, me demandais qui est le président de la République démocratique du Congo, je dirais ce monsieur Joseph Kabila Kabange. Oui ou non? Ça n'engage que vous. Voilà. Il est légitime. Ça dit, il est légitime. Non, il est illégitime selon la Constitution. Voilà. Ma Constitution, c'est ce que je voulais dire. Ma Constitution donne toute la légitimité à M. Joseph Kabila Kabange. Alors, token de canal élection, comme ça te élire président Otolingi, ce qui paye car mon temps Kokende. En tout cas, on ne zara mamba ba peuple. Kokende na sokite, soki est ton arambokate. Si la majorité va préférer va voter. Déjà pour majorité va préférer va voter, il faut n'annuyer à poser candidature. Est-ce qu'il a proposé candidature? Merci comme on a conseillé. Il a toujours envie. Non. Non, non. Il ne faut pas dire des choses. Tous à la bas congolais, oh, bah, l'obara makambouté, kakandenge, batunion so bazoloba. En fait, tous à bas intellectuels, c'est-à-dire, il y en a na l'équité à l'obi kako postulé. Il n'a outi kolobango si ko na monopole. C'est défenseur. Je me souviens, nga soki na zalagi proche à chef de l'État, mais ici na démissionna. Allez, à Tundu passant. Na yebiso kenga, soki na zaki. Proche à chef de l'État ou bien travailler avec le chef de l'État. Il y a beaucoup de cannabis au Congo, mais il a démissionné. Aux autres, tout n'en a pourquoi. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il est le seul chef de l'État qui a été vrai. Deux premiers jours, il a fonctionné. À l'objet, ce qui n'a pas été fait, il 15 personnes. Il y a confiance tout autour. Il y a beaucoup de gens qui ont été. Ce qui est combien de gens, est-ce que tu as confiance à chef de l'État? Et alors quoi tant que Jésus a disciple hein alors bien à quatre na bino moko na bino retrainga on a qui niveau panique quand tu basou na mokonzingai mais bango ba fingi bango ça c'est une insulte, ça c'est une insulte, dire qu'autour de moi je n'ai pas 15 personnes de confiance alors que tu as un gouvernement de plus de 50 personnes. C'est qu'il faut bien ba ministre bon mituna donc tu as besoin de confiance à chef de l'État. Tu pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour te que tu as confiance à chef de l'État? Alors quand tu me dis que tel un tel a lobby bon et bon, je ne suis pas là pour défendre Sankara chef de l'État. Mais na ozela ye moko halo ba so mutu mutu nyoso aza appelé au sala oya lingi aloba oya lingi asala oya lingi zala Sankara ndengo lingi. Mais moi en tout cas sur cette terre na ye ko accompagner Batouté. Il y en a aussi plein dans la majorité présidentielle qui ont accompagné Batouté. Bazana posa ke mboka na biso etambola. Ba valeur ya République est à la respecter afin que l'alternative est Salema et tout pour que nous avancions. Voilà. Il n'y a pas qu'un seul intellectuel en République démocratique du Congo. C'est si bien dit, monsieur Jacques Komba. Bisotoyebi que selon nos sources, tu as vu que Outi Kinshasa, Kouya, en passant par Paris et tout ça, tourner dans les salles apparemment sur Mouta Outi Kinshasa qui parle politique, tout le monde craint sur lui. Alors, comment on a, monsieur Tino Kanza, soit là, on passé l'interview, on a eu peur. Et puis, tant au monde, qui est, t'es un jeune. Aux en avant multiples casquettes. Alors en même temps tout naio par rapport il y a musique yomuto utinakin que qu'est-ce qui va pas, la musique et les combats, c'est quoi les rapports? Je pense que ça fait partie de point oyo ngana bande konangé belé ya ba combattant to kabwana. Parce que tout ça a un peu amalgame des choses. Hein. Tout ça a un peu macédoine, tout ça a un peu de tout ça a beau ça, surtout les valeurs, les valeurs. Je pense que la musique n'a rien à voir avec ce qui se passe dans mon pays. La musique, c'est notre culture. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissaient pas la République démocratique du Congo sur le plan économique, politique et social, mais il y a un peu de musique. C'est une valeur. Vous regardez les élections des autres pays, où il y a une comparaison par rapport au développement de la cannabiso. Il y a des artistes, des acteurs, des films, des tendances politiques. Et Tali Bango. Ça dit, ça ne peut pas détruire le Bango Basalaka. Ça, c'est déjà sur le plan politique. Mais quand nous allons sur le plan social humain, vous allez comprendre que ces jeunes musiciens-là, ils ont Moussala na Bango. Balier Sarabana na bango ba foute la bango Minerva le pona musala wana. Quant à les empêcher, dans le but que tu t'es que besoin empêcher développement ya culture na biso. Non.
ou empêcher Muninga Nayo asala musala naye. Alors aujourd'hui, je pense que Togomicha n'a quoi empêcher Batutu Basala et pas Mindele pour te Magamba Mindele Baosa dans le pays d'Afrique. Barabi faut empêcher Bandegona Bango sur Basala et pas Mindele pour Bahimamni Bamindele Baosa la Gouna Bamboka Nabango. Tu vois. Donc ça dit, toujours perdre l'objectif. Yango moni pe combat yango pe hein et perdre nango pe objectif parce que tokomi ko s'attaquer ka na ba musicien pona zua, OK, pour sa cible principale. Merci pona zua, OK. Et puis avec mes sources sûres et comme na ba misusu et comme commerce Afrique de l'Ouest ba komi ko pesa mbongo na ba jeunes congolais combattants pour ba continuer ko intercaler musique na biso po ya bango e kendeka kaliboso. Et donc, oui, ça je le dis du haut de ces plateaux. Et ça n'engage que moi. Bakomi Kolia Bambongo, les producteurs ouest-africains, Bakomi Kolia Sambongo na Batumusu pour empêcher Kaka Keloko wana ezalakate. Pour que Bango Bakende. Et si vous faites le calcul, vous verrez que ma musique na Bango Nyonso wana emati Kaka, Tango Makambo et Bandi. Vous allez comprendre. Ça veut dire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit être à ce point-là. Ça veut dire, tout ça la clair. Si vous avez un problème dans la musicien, bien que ce n'est pas mon monde, hein, si vous avez un problème dans la musicien, on régler ma compte naïe, au lieu comme il politique. Non, ça n'a rien à voir. Il y a d'autres combattants, maman. Oyo, je pense, Nathan, il y a Deuxième République. Bisson, il y a 32 ans, Deuxième République, et Bomaramboka. Tout le monde est là. Mais, ba musicien, il y a une époque, il y a une époque, il y a une époque. Ba yepe poto ba betaka na ndako ba konditango biso France wayambo. En fait, j'ai pas cité les noms ici, surtout les noms qui pèsent pas. Ça veut dire bazaki pe ko betate ba bamba bango mabangata. Pourquoi les lo yo bo kale baninga mosusu viole bandi les lota we binze mwana elombe sese e beta mara pona nini pona bitumba moba un moba deux qui était président de la République. Qu'est-ce qu'il y a eu na moba un moba deux? C'est ça. Et pourquoi maintenant les loyo ozara na zo na baninga moro boye o banda ko beta bango parce que yo ko ka osomba vewete. Non, en fait, parlons politique. Totika, laissons les politiques faire la politique, que le musicien fasse leur musique. Et par définition, la musique ne veut pas dire que l'art de combattre la politique a fait que les ministres ou les présidents travaillent bien. Non, ce n'est pas ça la définition de la musique. Hein? Alors, si nous sommes contre les concerts, soyons contre les CD dans nos voitures. Je pense que la meilleure manière à boycotter Maman Nangaï est ça, koboya ba CD na ba voiture na biso, koboya ba CD na ba mariage na biso, ba musique na bango na ba mariage na biso, na ba fête na biso. Alors mariage to vandika ka boye ya ba baba système ba baba. Ti tokei. Nga oso na za musicien bena lakela ke bele mabe. A penda na yo chrétien, na penda lo wa kino bena lobi, yo lobi na beta te koyo ka musique na te mo koyo ka musique na nga ba to ekufio. Merci. À César, ce qui est à César. Alors, tout zongi na ba analyse na yo. Alors, na minute yo, actuellement, on ne veut pas des deux colos, ni de Etienne Tshisekedi, ni de Katumbi. Etienne Tshisekedi, il est mort. Ah non, voilà. Ni son fils, Félix Tshisekedi, ni. On ne veut pas de lui étant qu'il est qui ? Étant qu'il est dirigeant. Dans quel domaine? Dans, dirigeant politique ou bien leader. Il a une fonction énorme et puis noble, là, on sait du début. C'est par rapport à ce qui se passe actuellement. On ne veut pas de notre président actuel. D'accord? Ah, alors, s'il pas, faut. Vous ne voulez pas de votre président actuel? Bon, selon eux. Alors, ils ne veulent pas le remplacer. S'il faut qu'il y ait un autre candidat, ils ne veulent pas. Hein? La majorité, les peuples, ne veulent pas de Félix Tshisekedi, ni de Moïse Katumbi, ni de Kolo, ni de tout ce que vous pouvez dire. Parce que Bazakara, ma moitié étranger, ma moitié ceci, Bazaba métis. Finalement, si aujourd'hui notre actuel président se décide de céder la place légitimement, il y aura qui? Puisque la même question, je l'ai posée à M. Martin Fayoulou, il ne m'a pas répondu. Selon vous, étant qu'analyste, pensez-vous à quelqu'un? Je vous ai dit ici, lors de la première partie, qu'il n'y a pas qu'un seul intellectuel en République démocratique du Congo. Les intellectuels, il y en a nombreux.
panoplie d'intellectuels. Et il y a deux mots, je pense, qu'on doit essayer de définir, de redéfinir, de bien placer. Quand il y aura les élections, nous saurons tout. Il y aura des candidats et ces candidats-là vont se présenter et le peuple congolais votera. Quand on me parlait de « on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas », bon, je ne sais pas, peut-être si c'est moi, j'allais bien répondre. « On ne veut pas, les on », c'est un pronom imbécile. C'est eux qui savent s'ils veulent ou pas, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais je pense que je demanderais à tous ces gens-là, au lieu de se battre pour chercher des fonctions éphémères, plutôt qu'on se batte pour qu'il y ait des élections. Et qu'ils aillent à la CENI. La CENI est ouverte sur le boulevard du 30 juin. Qu'ils aillent déposer leur candidature et le peuple congolais choisira. Mais pour à ce qui me concerne, par rapport à tous les noms, la liste que vous m'avez citée, madame, je dirais nous avons besoin de nouvelles têtes. Nous avons besoin de nouvelles têtes, nous avons besoin de nouvelles personnes. Parce que vous n'avez rien à faire aujourd'hui que vous n'avez pas pu faire hier. Donc nous avons besoin de nouvelles têtes. Il n'y a pas, le Congo n'appartient pas qu'à une seule personne. Ok. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ne vous retrouvez pas, vous devenez opposant. C'est ça le problème avec les Congolais. Aujourd'hui, vous ne retrouvez pas, vous devenez opposant. J'ai suivi un discours d'un vieux, je ne sais pas s'il est sorcier ou il est politicien, ou il est honorable, ou il est déshonorable, qui disait, comme ils n'ont pas voulu me donner la fonction, ils n'ont pas voulu me donner un ministère, je veux frapper. Ah. C'est qui? C'est un vieux, je ne sais pas, il est... Peut-être, on m'a dit qu'il était sorcier, je ne sais pas. Depuis quand dans un gouvernement, on nomme un ministre sorcier? Il n'y a pas un gouvernement appelé... C'est sa grand-mère qui m'a dit. Ministre à la sorcellerie congolaise, ça n'existe pas ça. Donc, nous avons besoin de nouvelles têtes, nous avons besoin de la nouvelle crème qui doit nous apporter de nouvelles expertises pour notre pays, pour ma patrie en tout cas. Tous ces gens que vous m'avez cités, c'est des gens, si aujourd'hui nous leur demandons des bilans, ils n'ont pas des bilans positifs, ils ont des bilans négatifs. Alors qu'ils arrêtent d'incriminer une seule personne pour s'échapper. Non, qu'ils arrêtent aussi leur mascarade là. Nous savons qu'ils sont en train de mentir. Ce ne sont pas des opposants, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir, c'est des mythos. Le peuple congolais n'est plus naïf, c'est des mythos, ils cherchent leurs intérêts. Voilà. Alors, Monsieur Komba, comment peut-on devenir politicien congolais? Devenir politicien congolais. Moi, je pense qu'on ne devient pas politicien. On ne devient pas politicien congolais. Nous avons une science à l'université qui s'appelle science politique administrative. Vous avez beau finir les études, devenir licencié en science politique administrative, cela ne fait pas de vous politicien. Je pense que nous devons aller au-delà. C'est comme quelqu'un qui fait la théologie, qui finit, ça ne fait pas de lui pasteur. Il y a des domaines où il y a des disciplines, où il y a des sciences, j'ai pu les appeler ainsi de métiers, qui doivent être des vocations et non des professions. La politique, ce n'est pas une profession. Voilà pourquoi je disais, il n'y a pas un millionnaire politicien. Donc si c'était c'était un métier ou c'était une profession, ça veut dire que tu dois tout réunir pour gagner. Tu dois tout faire pour devenir millionnaire. Tu dois faire tes calculs, placer tout pour avoir des intérêts, avoir de bénéfices. Mais la politique, ce n'est pas une profession. La politique, c'est une vocation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le devenir. On doit naître. Et au fur du temps où tu grandis, où tu deviens mature, tu y es dans les domaines. Ça doit être hormonal. OK. Et du coup, quand vous êtes politique congolais, ça veut dire vous finissez. Différent par rapport aux politiciens qu'on voit ici en Occident. Politiciens, voilà. C'est différent des gens qui sont formés, travaillés pour que vous jouiez un rôle pour quelques temps et puis vous partez, on vous remplace, demain vous faites autre chose. Non. Je prendrai l'exemple du patriarche Étienne Tshisekedi par exemple. Il avait plusieurs possibilités de faire autre travail, mais la politique c'était lui au fait, c'était lui. Dès son jeune âge, la prison et tout, c'était lui. Jusqu'à mourir politique. Je prends l'exemple d'un autre patriarche que je n'ai pas vu moi-même de mes yeux, que je connais par histoire, Patrice Emery Lumumba. Ça dit c'était sa vie, ce n'était pas la prison qui allait limiter sa vie politique, ce n'était pas le fouet, ce n'était pas l'acide, non, il est mort politique. Je parle d'un autre encore étranger qui est même mon modèle dans la politique.
politique. Il s'agit de Thomas Sankara. C'est-à-dire qu'il est mort politique. C'est-à-dire ça, ça ne dépendait pas de lui. Je ne veux pas parler de gens qui sont montés de toutes pièces. Demain, il était chroniqueur. Le lendemain, il devient... L'autre jour, il est petit, à mon confiance, d'un ou d'un autre musicien. Après, il devient vendeur des habits. Il devient honorable. Il devient vendeur d'habits à tel ou tel autre. Et puis après, il devient honorable. Et puis d'un moment à l'autre, il redevient quelqu'un d'autre. Mais voilà. Donc non, ça c'est pas... On ne devient pas politique. Donc, je ne suis pas devenu politicien congolais. Donc, je ne sais pas les critères, les critériums pour devenir politicien congolais. Je n'engage pas des politiciens. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu un CV politique, expérience. Non, non. Donc, la politique, c'est ça doit être d'abord hormonal. Okay. Voilà. Qui est derrière UPAD? C'est le peuple qui est derrière UPAD, Union des Patriotes pour le Développement. C'est le peuple. C'est le patriotisme qui est derrière UPAD. UPAD, c'est pour tout le monde. Il y a UPAD Katanga, UPAD Belgique, UPAD Chikapa, UPAD Kinshasa, Massina. UPAD, c'est le peuple. Et vous demandez à tous ces membres de UPAD partout, ils vont vous dire, on ne connaît même pas les noms de M. Jacques Distingué Komba. Mais ils ont une idéologie. Ma patrie d'abord. Ma patrie d'abord. Et s'ils ne me voient pas, ils ne me connaissent pas. Ma patrie d'abord. Ils se forment comme patriotes. Comment devenir membre de UPAD? Il y a une seule condition, être patriote. Aimer d'abord son pays plus que tout autre monde. C'est ça. Comment devenir chrétien? Aimer Christ et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Aimer la République démocratique du Congo, l'accepter comme la seule patrie et la seule richesse que les ancêtres nous ont léguée. Où contacter UPAD? Vous allez sur Facebook, vous tapez page UPAD, Union des Patriotes, ma patrie d'abord. Vous allez voir UPAD, vous pouvez contacter. Vous pouvez contacter. Vos projets de société. Ma patrie d'abord, c'est faire une nouvelle classe de la jeunesse, aimant le pays et travaillant pour le développement de la République démocratique du Congo. Mmh. Ce n'est pas moi, c'est peut-être eux. Si on imprègne en eux, c'est le valeur républicaine, on imprègne en eux l'amour de la patrie. Demain, ils vont faire un bon boulot. Nous avons un compatriote, il a voulu vous poser une question. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Nandenge au Singapour, au Passingaï, un micro. Parce que je connais M. Komba, le distingué. Nalanda Kamiboba et Missionnaï. C'est un brave monsieur. Réflexion naïe, lecture naïe. Et surtout, na Oyo Aouti. Kosala ces derniers temps et ce qui est un peu est drôle et puis étrange, mais c'est quelqu'un aussi à la qui aussi proche il y a pouvoir en place, ouais, mais tout d'un coup il y a aussi changement, je ne sais pas ce changement non les alliés dit il y a stratégie en tant que analyste politique ou bien Nandenge qui Bazana, mouvement Nabango, parti Nabango, Naba analyse les mingas à la Kaisali vraiment très très bien. Mais Eloko Sikoyo Namoni, depuis qu'il y a eu, il parle moins de l'évasion. Oui, les Kamings na Mbokakuna. Alors, donc, je souhaiterais que Akwa Kope Sabiso détaille selon la source où il y a et puis en tant que. Un cadre d'un mouvement à parti Nabango. Et je crois que Azali vraiment tellement d'informations mingi mais européen ça puisque actuellement le problème d'évasion est qu'on crée moi permanent au niveau de la population puisque là on ne sait pas ces gens là bas qui s'évadent n'année bas s'évadent tout habité où bah où ça là Naboutou, puisque ce sont les voleurs, les bandits, les terroristes qu'on a arrêtés, mais ils sont évadés. Alors, donc, population a l'ingi vraiment à Djouaba, précision par rapport à Yanine. Au moins, donc, et l'autre vraiment, donc, a l'ingi qui a quoi qu'on précise, donc, pour un peuple, il y a un tableau clair, il y a une situation,
sur l'évasion où il s'est passé na Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est des questions très pertinentes. La première, je pense que mon frère compatriote a eu à parler de ma position et de ma casquette, voulant savoir qu'à un moment donné, j'étais politique, pouvoir, et maintenant, on dirait que j'échange des casquettes, je ne parle plus patriotique. Et ça, mouvement éveil patriotique, et ça, le roi association, moi, ben, j'aime beaucoup, t'en as, toujours parler sur problématique, un beau capitaux. Coéduquer bah, sur la patrie, sur l'amour de la patrie. Donc, depuis Nazara Kaboé, Nazara toujours côté à peuple, Nalobara toujours pour le peuple. Mais, cause à la côté à peuple, Ngi Kolobate, que Nazara Moutoua Lukuta, ton ignoré, la vérité, que notre patriotisme, la vérité, un traître. Je parle de la valeur et la République. Nazo, toujours pour ma patrie d'abord. Ma patrie d'abord. Le jour où Eloko Ezo Bomanabana. Ce qui est dans le dictionnaire, mot évasion. Si vous avez un mot évasion, par exemple, pour comparer, on a une définition de mot évasion, pour moi, je suis en évasion, je suis en prison. Prison. Parce qu'évasion, je suis en train de mire, je suis en train de vitre, je suis en train de mire, je suis en train de mire. Quand tu as repris ce message, je suis en train de mire, je suis en train de mire, prison avant WhatsApp et mais les loga babimi ça donc la organisation na bango ba o baza na katia masolo na bayebi parle par rapport il y a définition il y a évasion donc ce qui na définir on a moni que ça na ngue évasion té o manda se mi asala ki boyeye pa kimi azuwe wate ndoki ki marate Azara, comment là, Azara fugitif, Ndogali, moi, Rosa fugitif, vous comprendre. Hein? Donc, ce que je veux dire au peuple congolais, ce que je veux dire aux membres de UPAD, à tous les amis de UPAD qui ont le souci de la patrie, bah, évasion, ils ont organisation na bango, ils ont sorti de prison. Évasion, mutabuka qui vitre, azate, mutabuki kadena, azate, muta sauté, azate. Voilà, balaki sur place, babuki mirte. Batubabine porte principale. Le bandal est la troisième fois. J'étais à Kinshasa, là, Lekana, j'ai fait mes analyses, j'ai vu que c'était faux. Il y a un plan à Bango. Bangi va créer peur dans milliers de peuples congolais. Peuple congolais qui sont patriotes congolais qui sont voilà. Ma patrie d'abord et nous voulons. Ok. Les patriotes qui
sont directement visés à Kinshasa ou à la RDC. Un message pour vous. Au peuple congolais, je ne parle pas de la diaspora, parce que nous sommes la diaspora. Nous sommes congolais. La diaspora, c'est toute une organisation. Les Congolais n'est pas organisé. Tout le monde en a rien à m'attendre à ton terrain. Donc, tous la diaspora. J'ai dit, les amis, devenons patriotes. Soyons unis, réfléchissons sur notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le pays avance? Je pense que la meilleure manière de faire, c'est d'aller sur place et de voter. Quand vous ne voulez pas quelqu'un, vous votez contre le système et vous changez, au lieu de les taper et changer dans le produit. Nous nous battons pour notre patrie. Moi, mon slogan, c'est ma patrie. Et nous avons un cri de guerre dans le pas des anormalités. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Est-ce qu'il y a un normal que dans le Congo, là, dans mon lit? Des anormalités. Est-ce qu'il y a un normal? Deux mandats après toutes les élections. Non. Il y a normal. Est-ce qu'il y a normal que le parti à Mouné n'existe pas et candidat à la présidentielle? Non. Il y a normal. Tu vois, ça, c'est ça? Normalité. Maman, faut vivre. Il y a normal, tu es prisonnier, tu es porte, tu es évadé. Est-ce que c'est normal? Alors, tout ce qui s'y a, tu as signalé que c'est la première partie, il y aura des suites. En tout cas, tu as permis la série Boss, tu n'as qu'un. Donc, continuez sous l'invitation à Kili, tu as un nouveau tempo. Pour vous, alors je salue tout le monde, activiste Papa Mapasa, d'ici là, je viens de chez vous en Belgique. Alors, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire vos commentaires. On est là pour vous. Merci, au revoir.